Voici donc relatées par la musique les aventures étranges et surprenantes de Robinson Crusoé sous la direction de Claude Winstein. Le prochain morceau, La légende de Yao, que vous allez écouter maintenant, sera sous la direction de Rémi Gaillère et s'appelle La légende de Yao. Thank you.
Je vous promettais de l'exotisme, on en a eu. Voilà le voyage vers le premier empereur de l'Antiquité chinoise, Yao. On a pu ressentir au travers de ces morceaux beaucoup de douceur, de bonté et en même temps beaucoup de noblesse. Il semblerait que ce premier empereur, que la bonté dont aurait fait preuve cet homme s'est manifestée aussi parmi le peuple, ce qui aurait permis, selon la légende, de faire face et d'éliminer tous les problèmes. Je vais annoncer quand même le second, enfin celui qui vient après, Huaita. 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 Je n'ai pas encore appris le péruvien, mais ça va venir. Huaita, qui sera également dirigé sous la direction de Nathalie Cliqui-Gerbert. Alors, un petit mot sur Huaita. Le Huaita est une danse originaire de Huancayo, ville située dans le centre de la cordillère des Andes au Pérou. La tradition nous dit qu'à l'origine, il était dansé à la fin de certaines phases de la culture de la pomme de terre, répétant les mouvements du travail des champs, comme les semailles ou la récolte. À l'heure actuelle, le Huaita est une danse festive qui est dansée par de jeunes célibataires. Cette danse chante l'amour, l'amitié, les rires et les peines. Allons-y, gaiement.
Merci Nathalie pour nous avoir emmenés au Pérou et dans ces merveilleux paysages. Ceci représente cette première partie de la première partie. En fait, maintenant vont s'installer les harmonies de Demmeringen, Trollingen, Petersbach et Hörmingen. Et nous passons donc au second voyage, toujours dans les pays Cusco, etc., sous la direction de Jean-Luc Mack, de Jacques Bégaud et de Fabrice Holdrit. Le voyage continue, les rêves aussi. C'était donc les lunes de Cusco. Et je vous présente Julie, ma lune à moi.
Nous avons fait un sacré bon travail toutes les deux, je pense. J'espère que la soirée, vous saurez l'apprécier. Et on essayera de faire au mieux, même si les formes et les formalités n'y sont pas toujours. Mais je crois que quand on laisse passer, quand on laisse parler son cœur, c'est l'essentiel, n'est-ce pas, Julie? Non, plus tard, plus tard. Allez, alors à tout à l'heure. Le prochain morceau, Let's Celebrate, sous la direction de l'harmonie de Dimringen, vous sera présenté par Jacques Bégaud. Jacques, s'il te plaît. Nous l'applaudissons. Je peux préciser quelque chose, Jacques. Grâce à toi, on a le nom du festival. C'est pas le Pérou, mais presque. On peut l'applaudir.
Merci Jacques pour cette célébration. La prochaine interprétation, Colorado, se fera sous la direction de Jean-Luc Mack. Merci de l'applaudir. Il nous emmène au Colorado.
avoir traversé le Colorado, humé des belles senteurs et les beaux paysages, je vous invite au morceau, à la pièce suivante, La Musica, pièce de Jacob de Haan, sous la direction de Fabrice Oldritt. Après quoi, nous allons avoir une petite, un petit moment d'entracte de 20 minutes environ, où l'on vous invite chaleureusement à vous désaltérer quelque peu auprès du bar. Il y aura sûrement des petits gâteaux et des choses intéressantes à consommer. Et nous nous verrons donc après 20 minutes pour la suite, la deuxième partie, pour le programme des sept harmonies, l'ensemble des sept harmonies, une création et une recréation, et qui sera cette fois-ci sous la direction de Sylvain Marchal. Nous vous en parlerons plus tout à l'heure. Bon entracte après ce morceau. À de suite. Bravo. Hello. Thank you.
Moment d'exception ce soir. Je tenais vraiment à remercier les presque 200 musiciens sur scène ce soir, des Harmonies, de Sarunion, de Altambar, pardon, Keskastel, Hörmingen, Drulingen, Petersbach. J'en oublie. Dimoingen, oui, pardon. Je ne relis pas mes notes. Donc Dimoingen. Merci en tout cas à tous ces musiciens. Ce soir, c'est vrai que c'était un moment d'exception d'avoir autant de musiciens sur scène. Et on voulait vraiment remercier la FSMA, la Fédération des Sociétés de Musique d'Alsace, qui, grâce à elle, a permis cette rencontre d'exception. Et on tenait vraiment à saluer le président, M. Fernand Lutz, de sa présence ce soir. Merci beaucoup d'être là. Et donc la FSMA a mis des moyens financiers, des moyens humains également, et c'est notamment la présence de Sylvain Marchal ce soir, donc, qui a dirigé et qui va diriger toute la deuxième partie de ce concert. Donc vraiment merci beaucoup d'être venu diriger cet orchestre d'exception en Alsace-Bossu, en toute amitié. Merci beaucoup. Et il y a beaucoup de moments d'exception ce soir, puisque nous venons d'entendre Tramway Galop. Non, oh, pardon, c'est la marche funèbre, excusez-moi, c'est la marche funèbre. Et je laisse peut-être Sylvain Marchal nous la présenter. Merci Julie, c'est l'émotion. N'est-ce pas Jacqueline ? Un petit mot pour vous dire d'une part tout le plaisir qu'on a eu à la Fédération des Sociétés de Musique d'Alsace de travailler sur ce projet qui a des racines partout. Il a des racines au 19e siècle avec cette marche funèbre que nous avons entre guillemets déterrée, si on peut dire, dans les archives de la Philharmonie de Sarunion. On a retrouvé un manuscrit écrit pour des instruments qui n'existent plus aujourd'hui. Cette pièce, elle a 150 ans. Donc on a fait un travail de réhabilitation, on l'a réorchestré, on a complété les parties manquantes et on en a fait une version qu'on peut jouer avec nos instruments actuels. Et moi, j'étais très content qu'on puisse jouer cette marche parce que c'est de la belle musique, c'est de la grande musique, c'est de la musique prenante, poignante et qu'on trouve pas toujours. On aura pour finir ce concert, une deuxième pièce qui a été également retrouvée dans les archives de Sarunion, qui visiblement a servi dans les années 1870 pour fêter l'arrivée d'un tramway, ou plutôt d'un petit chemin de fer, certainement qui a dû s'installer dans la région, et qui était aussi une pièce emblématique, puisque elle a été créée ici même, à Sarunion, il y a à peu près 150 ans. Et puis ça, c'est pour le passé, mais on a voulu aussi que ce projet qui rassemble ces 7 harmonies, qui sont énormément investies, ça soit un projet d'avenir. Et puis, plutôt que de jouer des musiques qui existent déjà, qui sont jouées depuis longtemps, on s'est dit, on va faire appel à un compositeur et on va écrire une pièce, on va lui faire écrire une pièce spécialement pour ses presque 200 musiciens. Donc c'est une pièce ambitieuse, originale, et qui a été faite spécialement pour ce groupe et qui est jouée pour la première fois ce soir. Et puis en plus, elle s'inscrit dans les idées du festival C'est pas le Pérou et presque, puisqu'elle s'intitule Aller et retour entre l'Alsace-Bossu et le Pérou. C'est-à-dire qu'en fait, le compositeur a travaillé sur des choses emblématiques de l'Alsace-Bossu, comme le bouc, comme les bosses de l'Alsace-Bossu, des routes. Mais en même temps, il a travaillé sur des choses propres au Pérou et il a essayé de faire un petit peu en parallèle. Alors vous verrez si vous reconnaîtrez l'un ou l'autre, mais en tout cas la pièce, j'ai l'immense plaisir de saluer son compositeur qui est parmi nous ce soir, s'appelle Aller et retour Alsace-Bossu Pérou et elle est signée Arnaud Meyer.
Arnaud Meyer, je crois qu'on peut encore l'applaudir une fois, c'est un défi d'écrire une pièce pour autant de monde. Merci Arnaud. Voilà, nous arrivons doucement au terme de cette soirée. Pour terminer, on finira par une pièce aussi qui sort des archives, comme je vous disais tout à l'heure, pour certainement l'inauguration d'un morceau de Chemin de fer. Mais je voulais juste dire que c'est toujours un moment très important quand la gestation d'une œuvre arrive à sa naissance. Et c'est toujours à la fois une fierté, un honneur, mais un défi que de jouer pour la première fois une pièce devant un public nombreux en plus, et ça c'est quelque chose toujours qui reste dans les mémoires des musiciens, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie. La musique n'est pas faite que des œuvres du passé, elle est aussi faite des œuvres d'aujourd'hui, et il faut absolument les soutenir. Et merci encore à Arnaud, et merci à ce bel orchestre de s'être prêté au jeu. Je crois qu'eux aussi méritent vos applaudissements. Merci encore, et c'est l'occasion pour nous de vous offrir deux petites choses, voilà, aux couleurs péruviennes, voilà. Merci. Le beau t-shirt, et à Arnaud également, pour souvenir de cet événement. Et comme c'est vrai qu'on parle du patrimoine musical d'Alsace-Bossu, on parle du lendemain, de la construction de la musique, enfin la musique de demain, on souhaite aussi offrir à tous les musiciens, pour ceux qui ne l'ont pas encore, la revue sur l'Alsace-Bossu de la musique et des hommes, donc, que nous avons coédité avec la FSMA et tous les partenaires, dont le Rotary Club qui nous fait aussi l'honneur de leur présence ce soir. Merci encore. Donc on les distribuera tout à l'heure, bien entendu. Merci. Comme nous arrivons à la clôture effectivement de cette rencontre, c'était l'occasion bien entendu de remercier les communautés de communes qui ont porté et organisé cet événement, enfin le festival dont cet événement, représenté par monsieur Marc Séné, présent également avec nous ce soir, et monsieur Jean Mathia également présent dans la salle. Bien sûr, il y a tellement de remerciements à faire, mais je pense que pour cette occasion-là, on peut remercier la commune de Sarre-Union pour avoir transformé quand même un gymnase en salle de spectacle. Ce n'était pas simple, ça a pris une semaine de travail, c'était quelque chose. C'est aussi l'occasion de remercier la télé locale de Sarre-Union qui, bien sûr, a marqué l'événement, l'a filmé dans son intégralité et nous le restituera d'une certaine façon. Il a été également enregistré, donc on pourra vous restituer tout cela. Voilà, ça restera au moins, ça marquera l'histoire d'Alsace-Bossu. On remercie bien sûr notre ingénieur son, Benoît Vincent, qui est aussi musicien d'Alsace-Bossu, plus moderne, plus contemporain. Mais en tout cas, ce soir, il nous suit encore vers la fin, vers la clôture de notre festival, et voilà, qui assure toute la technique de cette salle au niveau du son. Voilà, donc merci beaucoup. Est-ce que j'oublie quelqu'un ? Sans doute beaucoup de monde. Je voudrais juste rajouter que c'était peut-être une gageure, mais nous avons voulu mener ce festival. Je crois qu'on peut être fier d'y être arrivé, de l'avoir mené de main ferme. Nous étions de temps en temps dans une galère, mais nous avons bien tenu bon et tenu le cap. Et je crois que de vous voir réunis aussi nombreux ce soir, ce qui nous réchauffe et qui nous récompense de tous nos efforts, avec tous les musiciens qui n'ont pas hésité à s'associer à ce projet, c'est juste magnifique, c'est juste magnifique, ce sont des moments de bonheur, je ne sais pas quoi vous dire, je vous dis merci du fond du cœur à tous et à toutes, parce que vous avez participé à un beau projet. Je crois que ça restera un souvenir pour chacun, chacune d'entre nous. Et je dirais, pourvu que ça continue et qu'on ait la même ardeur dans la musique et que nous continuions à œuvrer dans ce sens-là. Merci Sylvain pour nous avoir si gentiment accompagnés dans ce projet, avec tout ce que tu nous as donné si généreusement. Et voilà, je t'embrasse tout plein.
Et maintenant, je crois qu'il y a, il y a la marche funèbre, non ? Non, je rigole. Tramway galope maintenant.